Ulgus plecus gastéropode. Cet animal n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'on a peint sa maison de... Je dirais une ceinture, une courroie, quelque chose de plat, vous voyez. Abirato. Violet. Pardon? Violet. Hélas, non. Je veux dire, les indices relevés sur le corps de cette malheureuse se résument à une banale strangulation. La pauvre femme a perdu la vie vers 2h du matin. Elle avait dîné avant. Je peux même vous dire qu'elle s'en était mis plein la lampe. Vous désirez conserver l'escargot? Non. Non, merci. Allez, un Jacques Est. Salope. Mes condoléances, Jean-Philippe. C'est affreux ce qui est arrivé. Et puis, étranglé, sauvagement. Je te trouve très, très courageux d'avoir ouvert l'officine. Si tu as besoin de quelque chose, ou les enfants peut-être, enfin, ils sont bien grands maintenant, note, ça n'enlève pas le chagrin. Mais, qui a pu? Son amant. Quoi? Oui, enfin, un de ses amants. Cette salope. Elle m'a planté plus de cornes qu'un toréador a pu en avoir dans toute sa vie. Tiens, j'ai recours aux poils synthétiques pour cacher mes blessures. Bon, alors, qu'est-ce qu'il te faudrait? Jean-Philippe, la douleur te fait dire des... Ah, toute la ville en rigole. Et toi-même, toi-même, si tu n'étais pas mon ami, je parierais 10 contre 1 que tu l'as enjambé. Jean-Philippe. Eh oui, quelqu'un a fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire depuis 10 ans, c'est tout. Note qu'avec Jeanne... On a souvent dit que Brigitte était un peu... Dis-le, un peu pute. Non, j'allais dire légère. Puis cette façon de s'afficher, de te couvrir de ridicule. Ah oui. Comme quoi le ridicule tue quand même quelquefois. Mais pas celui qu'on croit. Je suis l'inspecteur de police. Je peux vous voir 3 minutes? Inspecteur Mario Orsi. Je suis sincèrement désolé. Pas ici. De toute façon, tu me demandes pas mon avis. J'ai réussi à annuler le dîner. Je serai là dans 2 heures.
si tu pouvais me faire un petit tour dans tes bras. Vous avez été chronométré à 119 km/h, monsieur. Voulez-vous me présenter vos papiers? Quelle heure est-il? Je me pardonne. Parce que ma montre est arrêtée, elle aussi. J'ai rendez-vous à 10h et quelque chose m'a dit que je suis déjà en retard, voyez? Descendez du véhicule, s'il vous plaît. Oh, écoutez, mon vieux. On turbine pour la même chaudière. Alors, on peut emprunter le matériel? Inspecteur Lavardin, j'imagine que vous êtes Mario Orsi. C'est lui. Voilà. Appelez-moi Mario. Ça peut se faire. Je vous ai pas fait trop attendre, non? Ça n'a aucune importance. Si vous voulez vous donner la peine. Vous êtes pêcheur? Invétéré. Non, parce que j'ai jeté une canne dans le coffre. À tout hasard, eh ben vous avez bien fait, parce que si... L'homme semble être un fétichiste morbide. Il tue, il signe, bis repetita placente. Et elle? Simple asphyxie. Favorisé par la peur de la victime, qui, dans son affolement, accélère le rythme même de la chose qu'on lui supprime, la respiration. Pas de traces de couche? Pas la main? Ta peau est lisse, le seul d'un bébé. Pas de viol? Et elle faisait quoi, cette Annette Tassin? Elle tenait une parfumerie en ville. Sa fille était chez une copine et son mari sur le chemin du retour. Du retour d'où? Paris. Il est négociant en vin, toujours sur les routes. Et la première, Brigitte Picolet, c'est la femme du pharmacien. D'après la rumeur, elle n'était pas d'une fidélité à toute épreuve. Je vais déjeuner, messieurs. Primum vivere, deinde philosophari. Si vous voulez rester un moment avec ma cliente, vous tirez simplement la porte de la... Non, on y va aussi. On va passer à mon hôtel et puis on ira présenter nos condoléances aux marchands de pinards. In vino veritas, n'est-ce pas? J'étais à Paris avant.
Mais j'ai vite demandé ma mutation pour tour. Les bagnoles, les trottoirs, la tour Eiffel, c'est pas mon truc. Mm-hmm. J'ai besoin d'herbe sous les pieds, moi. C'est la première ? Oui. La femme infidèle. C'est malin. Vous vivez à Paris, inspecteur ? Oui, quelquefois. Je vais à Paris, à Saint-Malo, à Dieppe. Je vis où les autres veulent bien mourir. Vous êtes marié ? Oh, Dieu m'en garde. Je suis plus célibataire que Jean-Paul II. Et soulagé de l'être. Quand je vois ça, je me félicite. Toutes les femmes finissent par raide au fond d'une barque. Heureusement, mon cher Mario. Toutes ne meurent pas, mais toutes sont atteintes. Notez, ça ne m'empêche pas d'aimer les petites biches tourangelles. C'est ma grand-mère. On vit ensemble à Tours. Elle est du coin. Si on a le temps, elle nous fera des paupiètes de vos bonnes femmes. Alors là, attention, on m'en dirait des nouvelles. Oh ! Et dites donc, si vous ramenez justement des petites biches tourangelles à la maison, elle fait pas des gros yeux, la grand-mère ? Je ne reçois pas. Je libre. C'est un principe inébranlable. Ah ! Mario, l'homme au cœur téfale, celui qui n'attache pas. Voilà. Je crois que vous tournez à droite, là. Voilà. Stop. Vous êtes arrivé. Oh ! Ah ! Oh, quel bonheur ! La mouche ou la cuillère ? Ça dépend. Le verre, parfois. Le verre d'eau, si possible. Bravo. Le naturel, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez, on pourra lâcher un peu de fil, un de ces quatre. Et donc, entre les paupiètes de la mémé et les parties de moulinet, l'étrangleur, il va pouvoir aller se coucher tranquillement, les doigts de pied en éventail, hein. Je vais faire trois courses, pendant que vous reconnaissez les lieux. Si vous voulez, on se retrouve dans un petit quart d'heure, 20 minutes. OK ? Ça baigne. Je voudrais voir Maître Le Godard. C'est urgent. Il est en rendez-vous à l'extérieur, madame. Il revient quand ? Certainement pas avant 4 heures. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Ah ! Laissez ! Je vais vous aider. Laissez, je vous dis. Fichez-moi la paix ou je crie. Dans la baignoire. Oui, je suis désolé. J'envoie quelqu'un immédiatement. Madame ? On m'a dit qu'un inspecteur de police était chez vous. Je dois absolument le voir. Si c'est pour l'araignée, c'est trop tard, je l'ai noyée. Je m'appelle Florence Saint-Martin. Je suis... Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je deviens folle, inspecteur. Je suis sûre qu'il va me tuer, moi aussi, je le sais. Il ? Qui ça, il ?
Le tueur, évidemment. Pourquoi évidemment? Qui vous dit que c'est un homme d'abord? J'habite seule, j'ai très peur. Vous connaissiez les deux autres? Un peu. Vous les aviez rencontrés récemment? Brigitte, je l'ai croisée la veille de sa mort. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien de spécial. Elle devait voir son amant le soir même. Ah, ben voilà une chose intéressante. Et il s'appelle comment, l'heureux élu? Dominique Boge. Il a un restaurant en dehors de la ville. Ah, c'est bon? Pas mal. Et ça porte un nom, ce petit paradis de la tambouille? Le trou du lapin. Le trou du lapin? Écrivez-moi tout ça sur le papier à lettre de l'hôtel. Marquez aussi votre nom et votre adresse. Et qu'est-ce que vous fait croire que l'assassin s'intéresse aussi à vous? Rien. À votre avis, les victimes sont prises au hasard ou bien il y a une sélection logique? Je sais pas. Mais comment se fait-il qu'une jolie chinonaise comme vous habite seule? Des grelottes de trouille? Je suis divorcée. Ah, vous avez déjà donné. Vous en faites pas, j'ai pas l'impression que le meurtrier s'intéresse particulièrement aux femmes divorcées. Trouvez-le vite, je vous en prie. En tout cas, si vous avez peur à ce point-là, essayez de tomber amoureuse le temps de l'enquête. Rien de tel que les battements de cœur pour chasser la chair de poule. Noblesse oblige. Faut voir. Ça sent déjà le pinard. Entrons dans son temple, adoré éternel. Voyez que je... Chinon 76, excellente cuvée. Fameux. Il a dû... Bon, non, fabuleux. C'est quoi, ça? Ah ben là, nous avons des vieux chinois. Vous les goûtez? Oh, bon, non, on va pas vous déranger. Hein? Un doigt, à peine. Oui, vraiment, pour trinquer, alors. Ça, c'est somptueux, hein. Fabuleux. C'est quoi, ça? C'est un quoi? C'est un 37. En ce qui concerne ma femme, je pense pas que je pourrais vous être d'une grande utilité. Vous n'avez pas remarqué de traces de fouille? Aucune. On a reçu les boîtes, monsieur Tassin. J'y vais. Ouais, c'est bien, Marcel, merci. Est-ce que votre femme connaissait Brigitte Picolet? Oui, elle se connaissait dans le temps, en classe, je crois. Chez nous, on n'est pas une ville assez grande pour qu'on se perde de vue, mais leurs trajets n'étaient plus du tout les mêmes. Je vais aborder un sujet un petit peu délicat. Vous voulez que je vous laisse? Non. Je ne connaissais pas d'amant à ma femme. Et je pense même pouvoir vous affirmer qu'elle n'en a jamais eu. Et l'escargot, vous ne voyez pas ce que ça peut vouloir dire? Je pense qu'il s'agit d'un détraqué. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Je peux? Oui.
Votre femme n'avait pas de dette? Pas que je sache. Une assurance vie? Oui. En faveur de? Muriel. Muriel, c'est votre fille? Oui. Je suppose, oui. Quel âge a Muriel? 17 ans. Et elle est où, Muriel? En classe. On pourra la voir? Si c'est indispensable, elle est encore très choquée. Ben oui. Bauge. Dominique Bauge. Trou du lapin. C'est un client à vous, ça? Oui. Oui, ben, on verra plus tard. Vous ne partez pas en ce moment? Je m'arrange pour être là tous les soirs, je veux pas laisser Muriel. Ben oui, c'est bien normal. Je suis désolé, monsieur Tassin, mais je crois qu'on va être obligé de se revoir. Un instant. Marcel! Deux. Vous voulez me montrer comment elle était couchée, la femme légère? Voilà, trace rouge sur le cou et les yeux ouverts. On n'a pas trouvé d'où elle était partie. La Vienne fait 370 km, inspecteur. Suivant comment le courant l'aura entraînée, elle peut être partie d'ici de Châtellerault, ou même de Limoges. Elle avait une voiture? Une Austin Métro. On la recherche. Il y a un d'autre dans la barque? Affirmatif. Des cerises. Des cerises? Quelques paires, abîmées. Donc, un escargot, un sac poubelle, des cerises? C'est un brocanteur, notre bonhomme. On vit dans un monde de cinglés. Si vous voulez bien me suivre à la gendarmerie, on a dressé les procès-verbaux. On vous suit. Vous avez entendu parler d'une certaine Florence Saint-Martin? Je vois pas le nom. C'est qui? Une inquiète. C'est un cas intéressant à suivre. Et vous connaissez le trou du lapin? Oui. Le trou du lapin, c'est un resto. Ce soir, on ira tous les deux casser une petite graine pour voir si votre grand-mère le veut bien. Évidemment. Monsieur! Oui. Il y a Madame Saint-Martin dans votre bureau. Oui. Et depuis quand? Une bonne demi-heure. Je lui ai dit de revenir et de téléphoner avant, mais elle a presque forcé la porte. Oui. Non, mais vous savez que vous ne descendrez personne dans mon bureau quand je ne suis pas là. Ça, vous le savez. Et alors, quoi d'autre? Conchon a téléphoné. Il veut dîner avec vous. Oui, ça, je veux bien. Et c'est tout. Non, il y a Jean-Philippe Picolet qui souhaite un rendez-vous. Il dit que c'est personnel. Bon. Vous m'appelez à l'interphone dans 3 minutes. Alors vous me dites que le secrétaire d'État m'attend à la mairie, d'accord? Mais quel secrétaire d'État? Non, ça vous me fait chier, là. Merde. Bonjour, Madame Saint-Martin. Bonjour, maître. Mais dis donc, t'es pas gêné, toi, hein? Qu'est-ce qui te prend, là? Rien. Je bouquinais comme chez le dentiste. T'as déjà dit de pas venir ici. Le bureau va devenir une boîte à ragots. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'embrasses pas? Ah, mais oui, je t'embrasse. Je savais pas que Brigitte avait déposé une demande de divorce. Ah non, mais dis, c'est hyper confidentiel, hein. Tu dois en parler sous aucun prétexte. Surtout pas en ce moment. Hein. T'es couché avec elle? Quoi, je couchais, ça va pas, non? T'es folle, quoi. Tu mens. Mal, mais tu mens. Non, écoute, Florence, ça, c'est pour me faire une scène. Mais j'en ai rien à foutre. Elle est morte. J'ai pas envie de suivre le même chemin, Paul. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais j'attends tous les soirs que le dingue frappe à ma porte. Mais tu sais pas ce que c'est que de crever de peur, toi. Mais c'est ridicule, on voit 10 000 femmes se baladent dans la région sans se faire trucider à chaque coin de rue. Non, mais j'ai des raisons précises de penser que je suis dans le pétrin. Oh, lesquelles?
Va t'en parler maintenant. Bah, c'est pas vrai, c'est pas la peine de venir, hein, ça. Je veux dire, qu'est-ce que je fasse? Laisse-moi venir habiter chez toi. Je peux plus habiter seule. Oui. Le secrétaire d'État vous attend à l'hôtel de ville, maître. Oh merde, ça j'ai oublié, ça va, ça j'ai oublié. Bon ben j'arrive, hein. Je sais très bien qu'il faut que j'attende de divorcer définitivement. Je vais pas m'attirer tous les torts au moment de gagner, hein. Menteur, elle s'en fout. Et toi aussi, tu t'en fous. Bon, écoute, il faut absolument que j'aille y aller. Dîne avec moi ce soir. Mais je peux pas, je peux pas, j'ai rendez-vous avec Conchon. Ben, annule-le. Florence. Arrête. Tu sais, j'ai rencontré le flic ce matin. Et il attend que je bavarde pour aller fouiller chez les gens. À ce soir, Paul. Oh, bon, t'oublies ton sac, hein. Ah ouais. Vous avez faim, Mario? Je suis au bord de l'inanition. Alors vous devez ressentir les mêmes symptômes que Brigitte du Palais quand elle est venue ici prendre son dernier repas. C'est beau ici. Dites-moi, qu'est-ce que vous disiez au sujet de Brigitte du Palais? Si mes informations sont justes, la femme du pharmacien est venue s'empiffrer ici avant sa partie de canotage. Dites-moi, inspecteur, vous ne seriez pas par hasard tombé dans le chaudron d'un druide quand vous étiez petit? Je ne parle jamais de ma vie privée. Allez, à table. C'est beau, c'est calme. Ah! Bonsoir, messieurs. Bonsoir, merci. Bonsoir. Dites donc... Le patron est là ce soir? Tous les soirs. Ah bah, va bien. On pourra le féliciter après, alors. Si vous voulez, je lui demanderai de venir. Ce sera gentil, vous. Eh ben, moi, je sais ce que je vais prendre pour commencer. Je vais prendre des escargots. Quoi? Génial! Moi aussi, 12! Allez! Je vous en prie. La peine. Whisky, martini. Whisky. Whisky. Je vous présente toutes mes condoléances. À vous de même. Mes enfants sont majeurs, vous savez, ils ne viennent plus beaucoup à Chinon. Et ils sont partis le lendemain même de l'enterrement. Votre petite Muriel refait surface. Elle est très courageuse. Dis-moi pourquoi. C'est assez délicat. Et je ne suis pas particulièrement adroit. Soyez pas prudent, je crains plus rien. Voilà. Brigitte et moi,
Nous avions eu une violente dispute il y a un mois. Elle voulait divorcer. Je vais vous paraître ridicule. Enfin, un peu plus, un peu moins. Moi, je suis contre le divorce, de toute façon. Et puis, la pharmacie nous appartient à tous les deux. Vous imaginez les problèmes. J'ai 49 ans. Vous me voyez repartir à zéro? Ah, on a eu des mots terribles. Terribles. Je ne me croyais pas capable d'une telle colère. Vous savez que j'ai menacé de la tuer si elle faisait ça. Ouais, vous vous rendez compte? Alors elle a eu peur. Je sais qu'elle a eu peur. Je suis désolé, monsieur Picolet, je ne comprends pas très bien. Mais attendez, j'y arrive. Elle a écrit une lettre le lendemain. Et elle a raconté tout ce qui s'était passé. Mes menaces. Elle voulait se protéger, l'idiote. Mais moi, je ne l'aurais jamais tué. Jamais. Vous me croyez? Admettons. Non, mais je sais que vous me croyez. Alors, il faut absolument que je récupère cette lettre à cause de ce fou à l'escargot. Continuez. Vous seul pouvez m'aider, vous le savez très bien. C'est à votre femme que Brigitte a envoyé cette lettre, n'est-ce pas? Tiens, la petite Saint-Martin a suivi mes conseils. Qui est-ce? C'est le cas intéressant dont je vous parlais. Celle qui voit l'assassin en ectoplasme sur tous les murs. Pauvre femme. Elle doit vivre un véritable cauchemar. Alors, il vient le fromage? Oh, oh, oh. Gardez-moi ma place. Je vais faire pipi. C'est Orsi, là, dehors. Qui? Mais le flic de Tours, là, celui qui enquête à propos des meurtres. Là, bon, on va se mettre là, hein, parce que... Non, mais moi, c'est l'autre que je connais. Discrétion. Tu savais qu'il serait là? Non, pas vraiment. Pourquoi t'es comme ça, Florence? Pour rien. Pour le frisson. Bon, fais-moi la cour, maître. S'il te plaît. Voilà. Sinon, je t'assois sur le gaz.
bleu. Voilà, merci. Vous en prenez du chèvre? Ils ont l'air fort vides. Ah, volontiers du chèvre, vous pensez? J'adore les bijoux. Il y a plein de boucles d'oreilles au bord de l'eau. J'ai trouvé le cerisier, la corde et l'anneau qui retenait la barque. Non. Mais oui. On est bien ici. Hein, Mario? Super. Il est content, Mario. Il est content, Mario. Un peu de santé, monsieur Lavardin. Deux clients veulent vous offrir le digestif, monsieur Roche. Qu'ils aillent se faire foutre. Et on t'apprend un copain qui peut remplacer l'autre con à partir de demain. Je peux demander? Oui, bah c'est ça. Demande. Je dis quoi pour les deux clients? Qu'est-ce qu'ils veulent? De William In. Bon, bah ajoute un calva pour moi. Arrêtez! Ah, tiens! Là, le chef! Messieurs, bonsoir. Dominique Bosch. Ravi. Enchanté. J'espère que vous avez bien dîné. C'était royal. Les escargots, alors? Dînons. Oh. Merci. C'est pour moi, tu ne tapes pas. Dînons. C'est idéal comme coin. C'est formidable. Vous devez avoir un monde fou. Oui, on se plaint pas. J'espère que vous reviendrez souvent. Mais sûrement, mais sûrement, sûrement. Dites, il n'y avait pas une barque sous le cerisier? Bon, hein? Vous étiez déjà venu? Non, non, je dis ça à cause de la corde coupée. Un salaud me l'a piqué dans la nuit. Quand? Il y a quelques jours. Et les rames? Je les ai rangées dans la remise. Elles vous intéressent? Peut-être. Je suis pas vendeur. Vous savez qu'on a retrouvé votre barque? Garni? Non, je savais pas, non. Excusez-moi, mais je ne supporte plus l'alcool. Je vais faire préparer votre addition. Vous en prendrez bien un autre. Un autre calva! Double! Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Tiens, racontez-moi dans votre soirée avec Brigitte Picolet avant qu'on vous étouffe la barque. Bah, elle est venue à peine une heure, elle a dîné, elle est partie. Enfin, vous aviez raconté quelque chose. Elle était inquiète? Non, elle était saoule. Enfin, un petit peu. Même en arrivant. Elle était en voiture? J'imagine. La Mercedes, là, c'est à vous? Oui. Et la Renault? C'était lui. C'est pour monsieur. Mais ça vous paraît pas étrange qu'elle ait repris sa voiture, un peu pompette, hein, quand même, faut bien le dire, hein, et qu'elle soit revenue ensuite, à pied, pour embarquer sous le cerisier? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous n'allez pas m'embêter avec vos histoires de favouilles? Qu'est-ce que c'est, des favouilles? Des escargots, je fais du midi. Ah, bah vous êtes au courant, alors? Ce serait difficile, on parle que de ça dans le pays. L'escargot noir. Vous l'aimiez, votre copine? En quoi ça peut vous avancer de le savoir? Non, excusez, mon collègue, il a un cœur de midinette. Pourquoi vous n'êtes pas venu réclamer votre barque? C'est la bonne saison pour canoter. J'ai eu peur des ennuis. Si ça se sait, moi, je risque de perdre des clients. Vous savez, l'hôtellerie, ça pardonne pas. C'est incroyable la quantité de gars qui attrapent la bosse des affaires comme ça quand il y a un décès dans leur entourage. Écoutez, il faut que je ferme, moi. J'ai pas la licence pour rester ouvert après minuit. Je vous ferai un mot. Hein? Vous allez même chercher les rames de la barque et l'addition. Si jamais il vous revient quelque chose, vous notez tout de suite. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui oublient les détails après un grand malheur. Hein? Mais...
Ça va, vous tenez debout? Vous voulez pas que je vous raccompagne à votre... Qu'est-ce que vous allez en faire? Des rames? Oui. De chaque côté du lit, et hop, en avant pour le royaume des songes. Vous savez, au jeu des pronostics. Oui. Je dirais que c'est pas lui. La nuit porte conseil. On verra. Hein? Vous êtes content de votre deux chevaux? Oh, elle vole. Attention là, le coteste en tout cas. Hé, la plus abîmée. Inspiration de veuf beurré. Tu dors? Oui, je dors. Oui. Bon, qu'est-ce que tu as? Je ne peux pas dormir. Oh, tu ne vas pas fumer au lit. Pourquoi? C'est vulgaire? Je ne supporte pas l'odeur du tabac dans la chambre. Moi, il y a beaucoup d'autres odeurs que je n'aime pas. Oh, qu'est-ce que tu cherches, Florence? Qu'est-ce que tu cherches? Toi, ton bureau, tes dossiers mystérieux, ton fric, ça pue. Bah, tu t'en vas? C'est la première fois que je vais au restaurant avec un type qui sort sa machine à calculer et recompte l'addition. Mais une fois sur deux, ils font une erreur exprès. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est comme si moi, je sortais un pied à coulisses de ma poche pour te mesurer le machin avant une partie de cul. Oh, super, t'es bête, Florence, écoute. Là aussi, une fois sur deux, il y a erreur. Alors, bah, où vas-tu? Bah, je crois qu'on n'a plus grand-chose à se dire, hein. Tu ne m'aimes pas. Mais si, je t'aime. Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Non, tu ne m'aimes pas. Tu mens, tu es radin. Et quant à la baise, mon pauvre vieux, tu n'es qu'une méprise de plus dans ma vie. Salut, maître. Qu'est-ce qu'elle va foutre dans la rue à cette heure-là? Flo! Flo!
Elle est morte? Depuis plusieurs heures. Vous allez regarder là-dedans s'il n'y a pas un escargot. Portez-la à l'institut, qu'on la découpe et puis vous direz au tout-bib que je passerai dans la matinée. Elle l'a pané, effleuré le platane. C'est pas ce coup-là qui a pu la tuer. Alors, oui, ben emmenez-le à la gendarmerie. On en fera quoi? Ben vous pouvez toujours essayer de l'interroger. Dans ce cas, il faut le placer immédiatement en garde à vue. Oui, comme vous dites. Déclaration, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un maniaque? On dit que vous avez reçu des menaces, pouvez-vous confirmer? L'affaire semble piétiner. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Excusez-moi, mais on m'a refusé l'escadron des motocyclistes voltigeurs. Alors c'est plus long, forcément. Il commence à m'emmerder, le mec aux favouilles. Entrez! Qu'est-ce qu'il veut, ce grand jeune homme? Vous êtes le policier? J'aurais quelque chose à vous dire. Pourquoi j'aurais? Dis donc, tu serais pas le petit commis qui s'est fait virer du trou du lapin? Bon, ben, je t'écoute. J'ai besoin d'argent. Ah! Tu serais pas en train de me dire que t'as un renseignement à me vendre? J'ai pas le choix, j'ai plus de boulot. Dis donc, oh, ça voit ma veste! Dis donc, où est-ce que t'as lu qu'on vendait la vérité aux flics? Dans Mickey? Tu veux que je te découpe? Arrêtez. C'est à propos de Monsieur Boge. Oui? Alors? Quand on a su qu'il y avait eu un meurtre, c'est lui qui a dégagé l'ostine de la mère Picolet. Où est-ce qu'il a mise? Il a pas dit, il a juste dit fermer nos gueules. Et il est parti combien de temps? Je sais pas. Une heure, un peu plus. Allez, casse-toi. J'aime pas les rapporteurs. Veste de spoiler, salope. Je suis Escamillo, torero de Granada. On ne se quitte plus. Alors, double fracture du crâne. Le deuxième coup a été mortel. Là. L'arme? Ferraille ronde, barre, clé à tube, est-ce que je sais? Un coup très violent. Une farouche envie de tuer. On a affaire à un dingue. Ira, fureur, brevisette. Un dingue qui ne s'intéresse qu'aux femmes de 45 ans. Bel article pour une quadragénaire. Les seins sont superbes. Je suis passé à votre hôtel. C'est la fille d'hier soir. Oui. J'ai ma grand-mère avec moi. Je l'emmène deux fois par semaine. Ça la promène et puis elle fait un peu les boutiques en m'attendant. Mes hommages, madame. Mario m'a beaucoup parlé de vous. Je suis enchantée. Mon petit garçon ne jure que par vous. Il paraît que vous faites des prodiges au fourneau. Tout se paye, jeune homme, tout se paye. Trouvez-moi le Gus qui était avec elle, puis ramenez aussi le restaurateur, le potard et le bouilleur de cru. Et vous croyez qu'ils vont me suivre comme ça? Avec votre beau sourire, mon petit Mario. Mais on vous suivrait au bout du monde.
vous attends à la gendarmerie, hein. Et le marchand de frites? Ni chez lui, ni au resto. Mais il doit être en train de faire les courses pour son trou. Hein, Mario? Un petit peu de flair. Allez voir. Je vous en prie. Je ne vous cache pas que votre convocation perturbe passablement mon emploi du temps. Hein. Moi, je vous cache pas que je m'en fous éperdument. Là. L'assassinat de votre poule vous paraît pas plus important que vos rendez-vous aujourd'hui? Dis donc, mais je vous interdis. Je vous signale que je suis d'une humeur massacrante et que dans ces cas-là, je peux être très, très, très désagréable. Hein? Alors, vous allez me dire où vous êtes allé après votre gueuleton et jusqu'à quelle heure? Ah oui, alors je vous signale que c'est parfaitement illégal, là, hein? Je vous le signe. Écoutez. Voilà, vous pouvez téléphoner à un avocat, mais je crois qu'il serait quand même plus économique pour vous de vous défendre tout seul. Maître. Si vous êtes d'accord, vous me direz de quoi vous avez papoté jusqu'à 1h30 tous les deux. Hein? Ça a été le réveil, pas trop. Non? Salut Mino. Salut Marquis. Ta commande est prête. J'ai raflé 4 gigots et 10 saucissons histoire de caler le reste. Maurice! La commande de Monsieur Bosch. Et ça fait beaucoup, t'es au prix là. Le soir du meurtre de Brigitte, on a fait un poker de 11h du soir à 3h du matin. Non, 4h du matin. Ah. Tu m'as raflé 1000 balles. Je te dois plus rien. Monsieur Bosch! Monsieur Bosch! Le flic. Quel flic? Je vous cherche partout. J'ai vu votre voiture dehors. On a besoin de vos lumières à la gendarmerie. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous parlez de Florence Saint-Martin. Je connais pas. Mais si. Mais si, voyons. Elle a dîné chez vous hier soir. Et puis... l'escargot noir. C'est pas vrai. Oh putain. Nous voulons voir l'inspecteur Lavardin. Ah, c'est que... Ah, il n'est pas là peut-être? Si, mais... disons qu'il est en conférence pour l'instant. Ah non, je proteste véhémentement, là. Oui, mais en silence, s'il vous plaît. Où est l'Austin de Brigitte Picolet? Je l'ai laissé dans une cour de ferme abandonnée, à 10 km du restaurant. Vous êtes rentré comment? À pied. Un peu en stop. Vous vous rendez compte que tous les soupçons passent sur vous, oui? Mais merde, mais moi j'ai fait ça à cause de la clientèle. Quoi, c'est pas un crime? Oh, ça c'est un mot trop dans votre bouche, là, Coco. Mais qui me dit que c'est pas vous qui avez coupé la corde de la barque? Moi? J'ai fait un poker avec Marquis, merde! Oh merde! Oh mais oh! C'est quand même marrant ça! Vous avez remarqué? La veille des assassinats, la moitié de la population tape le carton. Vous avez pas remarqué ça, Mario? Alors moi j'aime autant vous dire que vous avez intérêt à vous répondre un peu plus, parce que je vais vous coffrer. Maître Logodor piote avec la victime, mais le connaît à peine. Ces messieurs se beurrent toute la nuit alors qu'ils se vouvoient. Et bien entendu, eux non plus n'ont rien à raconter. Quant à l'autre, il va perdre les voitures de ses clients dans la nature, hein? Pour faire moins des ordres! Non mais dites donc, vous me prenez pour un con tous? Allez Mario, garde à vue. Ah non! J'ai deux clients pour vous. Des pipelettes j'espère. À tout à l'heure messieurs. Allons-y Mario, on reprend tout du début et on note. Eh bien messieurs. Vous pourriez demander l'enlèvement d'une Austin Metro dans une ferme abandonnée. Le restaurateur vous dira où elle est. Messieurs, dames, je suis à vous, oui. Nous voudrions vous parler de notre fille, monsieur Lavardin. Oui? Et où est-elle, cette petite? Notre petite Martine a été trouvée morte il y a 3 mois, dans son magasin. Assassinée. Ici? Non, à Paris. Elle tenait un commerce de luminaires. Et vous savez ce qu'on a trouvé sur un abat-jour? Un escargot. Avec la coquille peinte en noir. Je voulais vous le dire. Je connaissais les 3 autres victimes? Ils étaient à la même école, dans les années 50. Voilà notre petite Martine. Voilà.
peux la garder ? Si vous voulez la passer au scanner pour voir si la petite picolet s'est débattue là-dedans. Il faut absolument que je retourne à mon bureau, moi. Sans blague. Ah bah oui. Mais... c'est le sac de Brigitte, ça. Mais vous n'avez pas le droit. Retournez vous asseoir, je sens que je vais faire une bavure. J'ai tout dit, moi, je jure. Faire un effort, alors. Je crois pas que ce soit l'un d'eux. Oui, mais avec vous, tout le monde a les mains propres. Vous n'avez pas un cœur de flic, mon petit Mario. Allez, vous pouvez partir. Mais ne quittez surtout pas la ville, hein. C'est-à-dire vos méthodes, hein. Oui, je sais, je sais. Oui. Je sais, je sais. Mais je suis au frais réel, n'est-ce pas? Ça coûte très cher aux contribuables. Alors j'essaie de faire le plus vite possible. Vous comprenez? Regardez si c'est mignon. Ça vous rappelle pas notre enfance? D'où ils sortent tous ces mômes? Toutes nos victimes sont là, autour de ce brave curé. Il doit plus être tout jeune, pauvre homme d'ailleurs. Mais avec un peu de chance, il est peut-être toujours dans le coin. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous dise? Est-ce que je sais, moi? Ce qu'il a fait des 500 francs que Brigitte lui a donné, par exemple. Ah, c'est toi. Comment vas-tu, mon vieux? Admirablement. Je t'ai entendu écrire une lettre à Brigitte. Finalement, je n'ai jamais aimé que cette garce. Alors je le lui ai dit. Si tu venais un peu à la maison. Chez toi? Oh non, je te remercie, mais ta femme est trop chiante.
on enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes. Et son visage était enveloppé d'un suaire. Prévenu que vous vouliez me voir. Dès que vous pourrez, je suis retiré au presbytère de Loche. Je vous y attends demain. C'est bien ça. Delta 327. Delta 328, j'écoute. Il est où, mon petit Mario ? Monsieur Piatassa l'a appelé, il s'est rendu tout de suite chez lui. Merci. Vous auriez pu le dire plus tôt. Je lui avais promis le silence. Il avait l'air tellement abattu. J'y vais. Notre curé est venu, je le vois demain. Et après-demain, à la truite, mon petit Mario. Bonjour. Monsieur Tassin pense que le pharmacien était peut-être l'homme à l'escargot. Gentil de m'épargner les reproches habituels. Vous savez, si on passait à l'acte chaque fois qu'on a envie de tuer, les tribunaux ressembleraient à des halls de gare. Le capitaine de gendarmerie a donné des ordres pour qu'on raccompagne les quelques femmes qui sont dans le créneau du tueur. Mais c'est très bien, ça. Dites, monsieur Tassin, l'assurance vie dont vous m'avez parlé, c'est bien Maître Le Godard qu'on a le dossier. C'est lui, oui. Extra. Venez, collègues. Laissons notre ami un peu tranquille. Vous dérangez pas. Je voulais vous dire... Oui, ne dites rien. Je sais ce que vous pensez, c'est pas lui. C'est vrai. En revanche, je ne vote pas forcément l'innocence pour le pendu. Allez chez Le Godard et cravatez tous les dossiers qui portent le nom d'un suspect ou d'un mort. Si râle... À ajouter qu'on jettera un cil sur les autres. Et vous ? Moi, je vais à la mairie avec ma photo de classe, faire un petit repérage avant d'affronter notre vieux curé. Je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Des souvenirs, mon petit Mario. Des souvenirs. On n'imagine pas ce qui peut dormir sous le crâne d'un homme pieux. C'est fou. Vous en faites pas, on va le coincer. C'est là. Et je peux vous ramener demain? S'il vous plaît, accompagnez-moi. Merci. Je
Ça va? Je sais pourquoi. Passez-moi l'inspecteur Attardé, s'il vous plaît. Vite! Qu'est-ce que c'est? C'est Mario! Ah, entrez, collègue! Ah. J'ai des croissants. Oh, allez-vous asseoir, mon petit Mario. Tenez, servez-vous. Vous avez fait des folies. Bon, non, mais non, mais non. Alors? Alors. Le Godard a des dossiers sur toute la ville. J'ai dû consulter à domicile. Sympa. Sympa, l'avocat, finalement. C'est pas lui. Sûrement pas. Vous êtes resté avec lui jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Jusqu'à minuit, peut-être. Alors, effectivement, c'est pas lui, parce qu'à minuit, notre curé a eu drôlement chaud aux fesses. Hein. Il est encore barricadé en attendant que je vienne. Vous reprenez un autre café ou vous finissez le mien? Inspecteur Lavardin. Trouvez-le. Il est venu. Le tueur était là. Qui vous dit que c'était pas un pêcheur égaré? Il m'a laissé un avertissement. Vous n'avez pas vu? Allez à table, monsieur le curé. La taurenne et les mollusques commencent à me courir, vous pouvez pas savoir. Je ne trahis le secret de la confession que pour arrêter le massacre. Bien entendu. Dieu qui vous voit, vous comprend et vous aime. Allons-y, mon père. Non, pas ici. Les profonds muscles, ma vie. T'es dominé. Dominé avec son livre. Aucun merde. Rien culpa. Oui, oui. En 1952, nous avons connu un grand malheur dans le pays. Un joli petit garçon, Norbert Chaloupa, s'est noyé. Tout le monde a cru une imprudence, surtout que son frère, jumeau, n'a rien dit. Aimé? Oui, aimé le pauvre. Quelques mois plus tard, j'ai reçu la visite de sa petite fille, dévorée par le remords. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Thank you.
l'avez revu, le petit Aimé? Jamais. Des fillettes sont venues me raconter, mais la famille Chalotbach quitte la région en 1960. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'elle vous a acheté pour 500 francs, Brigitte Picolet? Elle faisait des dons à l'église pour se racheter. Vous en vendez beaucoup comme ça, à crédit, des strapontins à la droite de Saint-Pierre? Alors, Mémé Mario, qu'est-ce qu'on raconte au sauveur? Allez vous faire foutre! En fait, vite, monsieur l'inspecteur, ou la vengeance de ce pauvre Aimé risque de faire deux victimes de plus. Qui est la dernière? Elle s'appelle Catherine Rebuffat maintenant. Elle a épousé le neveu du maire. Qui est là? Madame Rebuffat, c'est Mario Orsi, le policier. Ça ne va pas? Venez vous asseoir. Tenez, mettez-vous là. L'inspecteur Lavardin m'a téléphoné. Il arrive d'un moment à l'autre. On veut m'assassiner. Qui? Un petit garçon. Mais votre mari n'est pas là? Un petit garçon qui faisait des courses d'escargots avec son frère jumeau. Il peignait les coquilles en noir et en blanc pour pouvoir les reconnaître. Ah! N'y allez pas! C'est l'inspecteur. Soyez tranquille. C'est vous, le flic de choc? À la mienne. Non, donnez-moi ça. Vous êtes à deux pour me protéger, mais vous n'y arriverez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a le temps. Je veux pas mourir, oh. Moi, je veux pas mourir, allez. S'il vous plaît. J'ai tout fait pour les empêcher. Mais vous ne mourrez pas, madame Rebuffat, vous êtes la dernière, vous avez de la chance. Hein? Où est votre mari? Au conseil régional. Ben, il faut le joindre et lui dire de ne pas rentrer. Allez téléphoner. Vous allez jouer les chèvres? C'est pas très agréable, je sais bien, mais c'est efficace. Alors appelez votre mari et dites-lui de s'inventer un voyage. Écoutez-moi bien. Pour toute la ville, il faut que vous soyez une brebis attachée au piquet. Vous savez... Non, non. Rassurez-vous. Après 35 ans, la justice peut avoir des trous de mémoire, elle aussi. Allez téléphoner. Il ne viendra pas. Je suis contre ce genre de procédé. Si vous saviez ce qu'elle était sereine quand je l'ai rencontrée... Il n'y aura pas, vous verrez. Oh. Elle cuisine bien, votre femme? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oh, moi, rien. Mais vous savez, Mario, c'est pas le genre à se contenter de biscottes de régime. Non, j'ai perdu.
Alors, Catherine ne sera plus jamais comme avant. Même quand ce fou sera tous les verrous. Vous rendez compte, plus de 30 ans après, quelle obstination. Il y a longtemps que vous le connaissez, l'ami Mario? Mario? Non. Où allez-vous? Il ne viendra peut-être pas ce soir. J'ai fait dur au petit port. J'en fais toujours le jeudi. C'est bien. C'est très bien. Qui est-ce? Madame Gauvin. Je me demandais, si votre mari n'est pas là, ça vous dirait de monter manger un petit morceau avec moi? Oh, vous êtes gentille, mais ce soir, je suis un peu fatiguée. Alors, bonne soirée, ma petite chérie. Heureusement que vous êtes là. Sans ça, je deviendrais folle. À quoi servirait la police si elle ne protégeait pas les citoyens? Vous en aviez reparlé du meurtre avec vos copines? Quel meurtre? La noyade, le gosse. C'était pas un meurtre, c'était un accident. Vous pouvez pas comprendre. Si, si, je comprends, Catherine. Si vous nous serviez un verre, c'est dans le salon. Voilà une bonne idée. Vous voulez un martini? Si vous voulez. Il est assez cuit. Je trouve que vous êtes devenue une très jolie femme. Enfin, Mario, dites-moi que je rêve. Arrêtez de m'appeler Mario. Et mes chaloupes. Vous feriez mieux de l'amener à l'hôpital, elle a quand même reçu un sacré choc. Je vous laisse seul avec lui. Vous croyez que c'est prudent? Oui, alors, je pense que je risque pas grand-chose. Mario. Mais une autre tweet, alors? Une paupiette. Si vous m'aviez parlé, on aurait peut-être pu trouver une meilleure solution. Non. Non. Je devais le faire pour Norbert. Vous savez, un jumeau, quand c'est disparu,
ça meurt aussi chez l'autre. C'est comme si je n'avais plus de reflet dans les miroirs. Allez. Tendez vos mains. C'est vraiment indispensable. C'est la tradition. Mais dis donc, après 35 ans, tu crois que c'était vraiment utile ? J'ai cru que je pouvais vivre normalement. Et puis quand j'ai rencontré Martine Boulanger à Paris, par hasard, comme ça dans la rue, j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je les tue toutes les cinq. Je n'avais pas le droit d'oublier Norbert. Et ta pauvre grand-mère? Elle sait? C'est elle qui peint les coquilles. Ne lui faites pas d'ennui. Je vous en supplie. Soyez chic. Eh ben, dis donc, on a l'esprit de famille chez toi. Allez, on se tire d'ici, j'aime pas l'atmosphère. De ne pas avoir eu Catherine. Je me souviens très bien. C'est elle qui, la première, a poussé Norbert à la flotte. Oui, ça, en me disant, c'est ton problème. Il fallait commencer par la bonne.